Hey, regarde, regarde un peu par là. T'es en train de me snapper là. Casse-toi, arrête ça. Attends, montre-moi la vidéo. Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, juste. C'est vraiment ça ma voix. Bah ouais, ouais. Et encore, je trouve que dans le snap, c'est plus agréable que dans la réalité. Oh, ah ouais, ça c'est vrai. En vrai, dès que tu parles, dès que tu prends la parole, j'ai envie de te gifler ta mère. Tu vois, mais je me dis, on est là, on est... Par exemple, tout à l'heure, t'as parlé, instantanément, mon coude a commencé à être attiré par ton front. C'est-à-dire que normalement, là, je te l'ai déjà placé. Là, à l'heure qu'il est, t'es inconscient, t'es au sol, on est en train de te piétiner la... Bébé, viens voir cette vidéo, je suis mort. L'autre jour, ma meuf m'a fait découvrir un comique d'internet. Chaque jour, elle me montrait une nouvelle vidéo de lui et même quand il n'y en avait pas, elle rematait les anciennes encore et encore. Ah non, celle-là, c'est ma préférée. Jaloux et dans le doute, je l'ai donc questionné pour savoir si elle avait pour projet qu'il eut la faute dans le boule. Demain, t'es célib, tu le gères. C'est mort, wesh. 1 million d'abonnés, il doit avoir trop de groupies là-dessus. Plus je posais des questions, plus je passais pour un faiblard. Est-ce que tu l'as déjà DM? Pour l'encourager, fin, hey, tu manques trop de confiance en toi. Alors, un soir, pour voir si j'étais taré, je suis parti voir ce qu'il s'était dit après qu'elle l'ait encouragé. Tu hurles de rire devant tes vidéos. Merci, ça fait plaisir. T'inquiète, et donc je me demandais s'il y avait moyen que... tu me fasses hurler d'une autre façon, si tu vois ce que je veux dire, négro. Si j'avais un souhait, ce serait que tu sois fidèle. Tu dis que je manque de confiance, mais tu veux ça zigouner. Si j'avais un souhait, ce serait d'être le plus drôle à tes yeux, dans ton cœur. Papa. Oui, fiston. Y'a quoi après la mort? Est-ce que je suis mort? Bah non. Alors comment est-ce que je peux savoir? Bah tu vois, plus jeune, fiston, je me suis toujours dit que plus tard, si mon enfant est curieux, faudrait que je sache comment réagir. Réagir. Voilà, ben du coup, je vais te montrer le Kraoloi. C'est une technique de Muay Thai que j'avais appris au cas où ce genre de situation arriverait. C'est quoi le Kraoloi? Bah c'est genre un coup de genou sauté qui... Bah attends, tu sais quoi, je vais te montrer. Aïe! Tu vois? Aïe! Ça a l'air puissant! N'est-ce pas? Bah, à la base, c'est dirigé vers le haut pour cibler le centre de la cage thoracique, mais comme t'es un peu petit, on va pouvoir directement viser la gorge. Tu vas me faire à moi? Tiens, bah, du coup, pose pas de questions, positionne-toi ici, t'inquiète, ça fait pas mal. D'accord. Voilà, bouge pas. Oui. Voilà, je ne sais plus exactement ce qu'il disait dans le tuto, mais il te reste pas plus de 30 secondes à vivre, voilà. Oui, voilà, le sang coule des oreilles. Oui, non, bébé, écoute-moi. Mais y'a pas, écoute-moi, bébé. Hier soir, t'étais où? Encore avec l'autre imbécile, je parie. Non, dis pas ça. Quoi? De qui elle parle là? De qui elle parle? Non, de qui elle parle? De qui elle parle? Eh ben, l'imbécile, au moins, il se fait pas tromper. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Billy? Billy! Fils de pute. Comment ça? Bah, moi, je lui dis juste la vérité. Elle veut faire la meuf qui insulte. Non, elle a voulu faire la meuf qui insulte. Bah, voilà. Bah, non, frère. Allô, bébé, c'est pas ça. Quand on la tempête, on sème seulement les colons. Quand on sème des. C'est pareil, hein. C'est comme ça. Hein. C'est pas. Merci. Bah de rien. Merci. Bah de merci. Rien. De rien. Fils de pute. Bah la meuf, pourquoi elle insulte? Fils de pute. Elle avait qu'à pas insulter aussi. Fils. Moi, je dis moi. Fils de que la vérité. Clément achète un vélo tout neuf. Il décide d'aller Mathéo, se balader en passant par le vélo. Combien de vélos reste-t-il à Clément au retour? La rose ou la... Tiens, Mathéo, la réponse? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? C'est bien ce que je pensais, je ne suivais pas. Ah non, juste... Ok. Alors nous allons commencer par mettre un grand teint. J'avais pas détaillé ça. La question est, est-ce que votre mère suivait? Yo, that nigga just went from Mathéo to Mathéo. Fais un freestyle. Très bien. Il est chaud. Célestin, compose-moi un beat, s'il te plaît. Ça fait. Ok, c'est ma tox, j'ai que des bonnes notes, ok. Me casse pour grind, mon goûter à la récré. J'étais censé rentrer à 19h, je rentrerai à 19h, de fou dans ma teuté. Fais la version 2, la version 12. Vous me suivez? J'arrête de le chef, bande de bâtards. Ok, c'est ma tox, j'ai que des bonnes notes. Ok. Je me cache pour grind, mon goûter à la récré. Il va beaucoup manquer à sa famille, ses amis, ses frères et sœurs. C'est le cœur rempli de peine que nous continuerons tous les jours à... Jesus Christ. Il a bougé.
Ouais, l'histoire c'est qu'hier j'ai découvert un son de malade, alors je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais le faire écouter à mes copains. Eh, laisse-moi mettre un son vite fait. Je m'empresse de faire jouer le son sur Spotify, je suis en stress, j'ai hâte de voir leur réaction. Vous êtes pas prêts. Mais bizarrement, pas de réaction durant le premier couplet. Si ce n'est l'autre à l'arrière, Girodave dans le rétro en train de se décroter le trou de nez. Mais pas grave, c'est maintenant qu'ils ont besoin d'être concentrés. Parce que c'est là que la meilleure partie va commencer. Eh, qui a regardé le matière ? Oh non, zut, ils engagent une conversation qui va durer alors que je... La meilleure partie de la chanson. Attends deux secondes, qui met la musique là ? Ah, tu veux le titre ? Vas-y, retire ton son de merde là, tu vas pas en train de parler ! Tu vas pas en train de discuter ! Mais c'est la meilleure partie. Non, pas les couilles, coupe, 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 coupe. À un moment, il fait une rime en disant que... Coupe, 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 coupe. Mais il reste que 30 secondes du temps. Je coupe. Ouais, raconte la fois où on allait se faire liquider par ces barjots. Ouais. Bordel, ces ripoux voulaient vraiment nous zigouiller l'arrière-train. Oh. Hey, sans vouloir passer pour une mauviette. Ouais. Au début, on a voulu la jouer cool, mais mec, c'est l'hostie qui cherchait à tout prix un prétexte pour flinguer le Pékin. L'autre complètement furax, je vois qu'il débloque. Alors, je me dis, c'est le moment de s'arracher. Donc, on a foncé vers Ah ouais, même après, on a couru dans le T'étais pas là. Hein? Attends. T'étais pas là, arrête d'essayer de. Mais si, j'étais là. Non. T'étais pas là. Attends, genre, on a sauté. On a jamais sauté dans l'histoire, mec. Peut-être que je confonds. Non, t'étais pas là. Ah, il ment, il détaille le mensonge. Tous les menteurs gentils qui méritent pas ça. T'aurais pu faire semblant. Pas comme si j'étais présent. Mais toi, tu m'affiches de mon cœur, tu t'en fiches. J'ai trop mal, je m'enfuis. Je suis déjà tombé amoureux. Ouais, je m'en souviens, j'avais 16 ans, elle était dans ma classe au lycée. Mais qu'est-ce qui t'attirait chez elle ? Elle était à part. C'est pas elle était belle ou elle avait des putains de formes, etc. Physiquement, elle était vraiment normale. Elle se maquillait pas trop ou même pas du tout. T'as vu, elle essayait pas de cacher ses imperfections. Elle était hyper naturelle et ça faisait tout son charme. En fait, le truc, c'est qu'elle disait toujours que c'était une fille normale comme les autres filles et tout. Mais bizarrement, c'est la seule que je trouvais chelou alors que toutes les autres, elles se tuaient à dire. Moi, je suis pas comme les autres. Je suis pas comme elle, ok ? Ouais. Ah ouais, je vois le délire. Y'a pas que ça, elle avait un putain de sens de l'humour. On pouvait rigoler sur tout. Et quand je la terminais, c'est pas elle se vexait comme la plupart des meufs. Non, elle me renvoyait la balle salement, limite des fois. C'est moi qui partais boudé, frère. Elle avait trop de répartie. C'est pas comme toi, genre tu vois, toi en fait t'es pas drôle. Quoi ? Non, je rigole. Ah. Tu vois, là par exemple t'allais te vexer. Mais même bah, pas, j'ai la rage, mais faut pas dire. Dans ma gueule, tu vois, je ne sais pas pourquoi je lui ai posé cette question. Oui, je souris et tout, mais en fait non, pas trop parce que je sais que je n'ai pas toutes ses qualités. Et maintenant, il est mort. Il n'a pas à être amoureux avant de me connaître. Avant de me connaître, lui pas connaître l'existence de vagin. Lui pas. Hey, j'aime trop ce son. You and me. Tu t'es trompé. Tu dis ? Bah, tu t'es trompé. Pour you, t'as montré toi, et pour me, t'as montré moi. À l'inverse. Mon ami, quel est l'être le plus cher à tes yeux ? Pourquoi tu me demandes ça ? S'il te plaît, dis-moi. C'est ma mère. Ta mère. Très bien. Sache que je la prends. Comment ça, tu la prends ? C'est-à-dire que je l'explose, je la prends, je la plie, je lui fais du sale. Mais wesh, tu t'es trompé, assume, commence pas à dire ma mère. Non, parce que les roses sont roses, cet oiseau vole sans plumes. Pourquoi je me suis trompé, je t'encule ? Non, je suis obligé de te mettre une patate parce que regarde, toi. Allez, mec, on se pète, mais donne des nouvelles de temps en temps. T'aimes trop faire le fantôme, toi. Ouais, t'inquiète, vas-y, on s'appelle. C'est ce qu'il disait toujours à son pote, mais 3 semaines plus tard, rien. 6 mois plus tard, toujours rien. Qu'il aille se faire voir. 3 ans plus tard. Oh, et si je prenais des nouvelles de mon pote ? Dit-il au calme. Yo, vieux fou, ça fait un bail, tu racontes quoi de beau, enculé ? Qui lui écrit en SMS. Non, attends, je vais pas dire enculé, je vais dire fils des pites. Mais juste avant qu'il lui envoie, il l'appelle. Yo, hey, mec, j'ai pigé le truc. En fait, si je t'envoie pas de message, je peux carrément me faire buter. Tu seras même pas au courant. Non, mais frérot, je te permets plus de m'appeler frérot. Et c'est trop facile. À chaque fois que tu me sens ça, à chaque fois, c'est moi qui envoie le premier message. L'amitié a son signe. J'ai capté, vieux. Peut-être que je donne jamais de news. Peut-être que je fais le fantôme. Peut-être que j'aurais même attendu encore 10 ans avant de t'envoyer un message. Mais tu sais que quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi parce que je t'aime, mon frère. Frérot. Brother. Frangin. Hermano. Refrain. San Pellegrino. Allez, en maxi ? Oui, en maxi. Frites et Fanta, s'il vous plaît. Avec ceci, monsieur, qu'est-ce que tu veux ? Je veux les hamburgers avec les frites. Un Happy Meal hamburger frites, s'il vous plaît. D'ailleurs. Frites, dessert ? Compote. Une compote, très bien. Et qu'est-ce que tu vas boire, mon grand garçon ? Je veux du caco. Je veux du coq. Je veux du coq. De l'eau. Hein ?
De l'eau, il va prendre de l'eau, il va boire de l'eau. Il va juste boire de l'eau. Là, je dois l'empêcher de parler parce qu'il tente un dialogue, en fait, comme si lui et moi, on allait débattre sur est-ce que je prends un verre d'eau, est-ce que... On rentre à la maison manger du riz. Bon, bah alors, qu'est-ce que tu nous fais? Où va le monde? Toi, t'es vraiment le fils de ta mère, toi. Hein, faut lui dire ça parce que sa mère est une pute. Ah, d'accord. Oui, quand je l'ai vu, je me suis dit directement, ça c'est un fils de pute, oui. Effectivement, oui. Ça sera tout, monsieur. Oui, ça sera tout, je vais payer par carte. Ah bien, 2,90€, je vous laisse introduire votre carte, je vais préparer votre commande. J'ai pas mis toute ma force. Alors, au final, avec ta meuf, hein, ça s'est arrangé. Vas-y, elle, carrément, cheap. Je l'ai embrouillé, mais je lui ai envoyé... Carrément, tiens, lis le message, lis. Casse les couilles. Bon, je vais juste repérer les mots-clés. Ravioli, Corentin, je te quitte. Voilà, c'est bon. Ouais, t'as eu raison, hein. Elle abuse, hein. T'as vu ou pas? Wesh, comment ça, les raviolis quittent Corentin? Moi, direct, j'aurais dit, comment ça, toi, les raviolis, tu quittes Corentin? C'est normal, t'as eu raison. T'as pas lu? Si, j'ai lu. Bien sûr que j'ai lu. Mais j'ai lu. Non, mais lis vraiment. Un moment, tu lui dis, Corentin. Non, mais t'as pas lu. Non, mais dis la vérité. T'as lu ou pas? Non, j'ai pas lu. C'est normal. C'est trop long. Voilà, t'as pas lu. Non, je lis pas. C'est trop long. Ferme ta gueule. T'as pas lu. Toi, t'as pas lu. Ferme ta gueule. Non, mais c'est trop long. Tiens, lis. Non, t'as pas lu. Non, je vais pas lire. Tiens, lis. Bah, la vie de ma mère, je lis pas maintenant. Lis. La vie. C'est donc ainsi que l'hamster procède pour ne pas nuire au fion du cheval. Clément, l'hamster, il a dit quoi là? Il dit que les petits animaux... Clément, j'aimerais un peu de silence, s'il te plaît. Ah non, mais c'est pas moi parce qu'il me demande... Non, je ne veux rien entendre. Ça va maintenant, hein. Je nique ta mère, tiens. Lisa, ces vidéos à lui, elle me tue, t'aima. Est-ce que toi aussi, quand ton caleçon il est sale, tu le retournes, t'attends 3 jours, après tu retournes encore? Ferme ta sœur, en fait. En fait, quand tu me vois réciter un son, essaie pas de me couper, j'ai juste envie de niquer ta mère maintenant, parce que regarde ça. Tu vois, parce que je vais t'expliquer en fait, quand je récite un son en playback, ça t'impressionne. Dans ta tête, tu te dis, putain, le son il est lourd. Et il le connaît par cœur. La classe. C'est tout. C'est pas, tu ramènes ta mère à dire des trucs de fils de pute qui n'ont aucun sens. Parce que regarde. Tu vois? Regarde. Tu vois? Regarde. Et après la cantine, elle s'est assise sur toi. T'avais le bambou? C'est quoi le bambou? Mon papa il m'a dit que c'est quand une fille elle est très gentille avec nous et ben on a le bambou. Ah oui, alors j'avais le bambou. Venez les copains, on va niquer leur mère au CP. Ouais. Oh, ping ping. Oui. Regarde, j'ai encore le cœur que tu m'as dessiné avant-hier. Ah oui. Mais ça part pas à la douche? À la quoi? T'as quoi dans ton pantalon? Oh, ça c'est le bambou. Le bambou? Oui, c'est parce que t'es gentil avec moi. Oh, trop bien, je veux toucher le bambou. Oui, attends. Allez, les enfants, on va rentrer en classe. Il y avait des classailles. Viens là, toi, tu frapperas à la maison. Tu viens là, bingo, carré. Viens là, pardon, mon gosse. C'est votre compris. Petit pervers, il a à peine 7 ans. Je me demande ce que ça sera plus tard. Fermez votre gueule. Pardon, voilà, vous voyez l'exemple que vous donnez aux enfants? Votre fille est une chienasse. Est-ce que c'est ma faute? Vous n'avez pas à parler. Je sais que c'est pas moi. C'était trop bien. Salut les gars, c'est moi, Dan. Aujourd'hui, on m'a invité à une soirée en me précisant: tu peux ramener un pote si tu veux. Cool. Si je ramène deux non, potes... Non, c'est mort, après il y aura trop de couilles, après les meufs elles vont avoir peur. Donc j'appelle un pote en lui disant de venir seul, comme je ne peux ramener qu'une seule personne. Il me répond: ok, j'arrive dans 15 minutes. Donc 1h62 plus tard, il arrive avec deux connards sortant de nulle part, donc Gif qui sort de nulle part aussi. Bah oui, puis je lui demande: c'est qui lui? C'est mieux, on ferme nos gueules. Ma mère. Et lui, c'est qui? J'avais pas de plan pour ce soir, t'as vu, donc je me suis dit: tes mains, c'est rouge, ça se voit, ça le gratte. Que je lui ai dit avant de sonner. Ah, ça doit être Dan, ça. Wesh, mon gars, rappelle-moi, je t'ai dit, tu pouvais ramener combien de personnes? Mais les mecs, ils sont venus à 4. Ouais, je t'aime. Retourne chez ta mère. Bâtard. Avec ton front. Pourquoi? Voilà la chicha. Tu ramènes tout. Ça fait chier. T'es ça, c'est ta faute, pourquoi tu ramènes toutes tes poches, t'es dit? Appelle personne! Pleure! Vas-y, pleure! Mais toi, tu pleure, ça fait du bien! Ah, lâche mon t-shirt! Ah non, mais je sais pas si vous avez déjà vu la mère du petit Dany là, mais. Ah non, j'ai jamais fait attention, elle est chargée! Ah non, là, devant, derrière, tout! Sérieux? En plus, le père est décédé, donc ça doit pas être facile pour le gosse, hein, il doit en voir des mecs défilés. Ah, tu m'étonnes, ouais, bah ouais! D'ailleurs, si je peux être le prochain. Ah, t'es un petit copain! Et pas ma faute si t'es moche! Toi, t'as une grosse mère!
pourquoi tu pleures, Darnie? Il a dit que j'ai une mère qui est grosse. Ouais, je crois que ça dégénère là. Frédéric, tu t'en charges là? Ah, c'est gosse, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, les garçons? Il m'a mis une tarte sur mon gros cochon. C'est pas bien, pourquoi t'as fait ça? Il lui a dit qu'il a une mère qui est grosse. Tu as dit ça? Oui. Dis encore sa mère, allez.